Je pense que c'est la première qu'on fait. C'est la première performance live qu'on fait, en fait. Surtout full band, je pense que facilement, très rapidement, ça faisait un an que j'avais pas joué avec mon band full band. Encore une fois, mon drummer est pas là, on l'a sobé, il est malade, fait qu'il peut pas être là. Mais on est content parce que Léandre a dit oui pour être là, fait que grâce à Léandre, on a un drum, bravo tout le monde, on applaudit Léandre qui est là. Ouais, ça fait plaisir. Léandre qui accepte de se faire dire vendredi soir, peux-tu jouer avec moi? Dimanche, on commence à 8h30 le matin. C'est correct. Tu t'accordes bien. Merci. Je m'accorde pour le plaisir de tout le monde maintenant, mais surtout le plaisir de tout le monde qui va écouter ça ensuite sur Spotify. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'événement, ça s'appelle Between Bars. C'est organisé par le Lazy. Puis, en fait, ils vont diffuser les live sessions sur YouTube, puis ils vont être diffusés après sur Spotify. Fait que si vous voulez entendre ces versions-là que vous êtes là pour entendre, ils vont se retrouver sur Spotify éventuellement. C'est-tu magique, rien qu'un peu? Le moins percussif de l'histoire de l'humanité. On est prêt pour une meilleure. T'sais, vas-y.
femme incroyable. Elle me tend mon eau, j'ai rien besoin de demander. Check le clap. OK. Je vais m'accorder. OK, tout le monde? Un bon moment pour s'accorder entre deux chansons? C'est mieux c'est que bon dans temps. Le milieu de la chanson, paraît-il. C'est ce qu'on m'a dit. J'aime ça, Léon, c'est parfait. Moment d'accordage que vous avez vu récemment, là, je veux dire, musique d'ambiance, petit truc jazzy. Moi, j'ai eu chaud pendant deux secondes, je pensais qu'on était comme d'un Caraïbe ou quelque chose. Ou genre à Ipanema ou quelque chose comme ça. You know, girl from Ipanema, bref. Okay. Mon nom, c'est La Carotte Polaire. J'écris des chansons en anglais, en français. Comme vous avez pu le constater jusqu'à présent. Si vous avez pris des vidéos, des photos, si vous voulez me les envoyer, vous pouvez m'écrire La Carotte Polaire. Je suis sur Facebook, Instagram, je suis partout, c'est Internet. Si vous voulez vraiment pas communiquer avec des médias sociaux, lacarottepolaire@gmail.com, c'est pas compliqué. Fait que voilà. So here it goes. I am always away. Who knows where my mind has been? And I took some time to work it out, to think of all my prides and doubts, to find out where my heart has been. And I see the light, I feel the cold, I think it's right. The passion rose like the bruises on my skin. I'd rather have the blues out than it.
Hey, ça va bien, cette affaire-là? Fait longtemps que j'ai joué avec autant d'émotions. Je parle d'émotion, je parle d'instrument quand je dis émotion, pour être précise. Ça me crée des fourmillements dans le ventre. Il nous en reste une pour la live session. I know, right? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, peut-être tu vas vous en jouer une petite. Je sais pas, peut-être que Virginie va vous jouer une chanson pour le plaisir. Hein? Qui sait, tu sais, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec la vie, là. On évolue. Non, mais tu sais, on a une guitare, des vocales, on est capable de jouer des affaires, là. Tu sais, fait officiellement, pour le live, il reste une chanson, c'est une chanson que j'ai écrite avec Virginie. Parce qu'on s'est rencontrés dans un concours qui... ben, tu sais, le but quand t'arrives dans un concours, c'est que t'es supposé être en compétition avec les gens. Puis la compétition malsaine, on trouvait qu'il y en avait en masse dans l'industrie sans participer en plus. Fait qu'on s'est dit, au lieu d'être en compétition, on va vivre notre bromance. Puis depuis, on a une bromance qu'on établit beaucoup, qu'on met un peu partout. Puis quand on a écrit notre chanson ensemble, je pense qu'on voulait que... Souligner ça. On voulait inspirer les gens à justement développer des bromances au lieu de... La compétition. C'est ça. On serait mieux comme ça, je pense. Vous n'êtes pas d'accord? La vie serait plus belle si tout le monde développait des bromances. Une compétition un petit peu, je sais. Au lieu d'être fâché à cause du succès des autres. Au lieu que je regarde, là, Virginie, elle a 200 likes de plus sur sa page que ma page. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'essaie de la rattraper, mais là, plus j'essaie de la rattraper, là, je sors des tounes avec, à gang d'autres, là, qu'est-ce que je vais faire? C'est bien trop compliqué, là. T'sais, juste de l'amour et de la bonne énergie, c'est ce qu'on a besoin. Fait que, on va vous présenter une chanson qu'on a écrite ensemble qui s'appelle « Âge de guerre ». Ah, et c'est nulle part. Fait que vous l'entendez en exclusivité, en fait, parce que ça sort en août. Ça sort en août. Yes, avec un documentaire tout. Ça va être fourrette, oui. Ça va être malade. Est-ce que vous êtes prêts, les loups? Oui! Ça fait juste 10 minutes que je jase. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Repousser nos idées d'avenir et transcender le cours du temps. On prévoit donc de tourner les misères, forger des souvenirs qui tiennent en estime le sentiment. Le constat de la fièvre se fait déjà depuis longtemps. Fais-moi la courte échelle, je ferai voir ce que j'entends.